C'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui. On est perdu dans les chemins, comme d'hab lorsque je teste ce genre de bolide. Ouais, c'est ça franchement. Je respire, je me retrouve en symbiose totale avec la nature. Deux petites minutes, j'harmonise un peu plus avec la nature. Donc aujourd'hui on est là pour parler d'un nouveau bolide, le Ride 66. C'est un fat bike, franchement déjà j'adore ce genre de vélo. Moi depuis que j'ai testé ce genre de machine, je ne jure que par ça les mecs. Les fat bikes, les vélos à gros pneus et tout ça, c'est vraiment mon kiff. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois je le répète lorsque j'en teste un, mais avec ça les mecs, vous passez genre partout. Je vais prendre mon téléphone, j'ai noté 2-3 trucs. Du coup c'est pas le Ride 66, hein. Le modèle c'est R8 de la marque Ride 66. Petit tour du vélo, petit tour des specs. Alors c'est vrai que bien souvent je trouve que ce genre de fat bike, ils se ressemblent à peu près tous, hein. Il y a toujours quelques subtilités plus ou moins grandes, plus ou moins appréciables également, et vous allez voir que celui-ci en a tout de même pas mal. Alors pour commencer sur le vélo, on va avoir une batterie de 48 volts en 15 ampères-heure. Donc suivant ce que vous allez faire avec le vélo, ce que vous allez prendre comme pente, comme chemin ou quoi, c'est largement suffisant pour faire un bon ride. On va dire, je vais donner une grosse fourchette, hein, vraiment entre 30 et 60 km. D'ailleurs sur leur site, ils annoncent une autonomie entre 40 et 60 km. Je trouve pas ça déconnant quand tu vois d'autres sites qui par exemple te disent oui, avec mon vélo vous pouvez faire jusqu'à 120 km. Non les mecs, arrêtez, avec une batterie de 15 ampères tu fais jamais 120 km, c'est pas vrai. Là ils nous donnent une fourchette en autonomie de 40 à 60 km, c'est franchement pas déconnant, c'est à peu près ça. Moi c'est ce que je fais avec mon autre vélo qui a également une batterie de 15 ampères heure. Donc je trouve que niveau autonomie, ils sont juste sur leur site. On va avoir un gros moteur à l'arrière de 750 watts qui vous emmènera vraiment partout. Genre j'ai l'habitude dans ce coin là de prendre vraiment une méga pente, et celui-ci je vous assure les mecs, tout assis sur le vélo en pédalant comme dans une descente, et sur le pignon le plus bas, hein, ça va tout seul. Les 750 watts sont largement suffisants. D'ailleurs, ils nous informent que vous pouvez monter des côtes de 35 à 45 degrés, donc c'est assez costaud. Suspension avant, pas de suspension arrière. Bon, alors comme d'hab, hein, ça fait vraiment bien le job. C'est très confort, la selle est très confortable. Alors bon, c'est le genre de selle que je changerai tout de même à l'avenir. C'est vrai que je la trouve légèrement raide par rapport à d'autres, mais ce qui est plutôt bien, c'est que vous avez une suspension sous la selle. Donc vraiment, ça compense cette selle un petit peu raide. Bon, après, je vous dis raide, voilà, c'est pas non plus ultra raide, hein, mais c'est pas ultra moelleux non plus. Donc suspension sous la selle, suspension à l'avant, toujours pour une conduite plus confort. Vous avez un accélérateur qui se trouve directement sur la poignée. Donc moi personnellement je préfère toujours pédaler, hein, je me sers vraiment très rarement de ça, ou alors des fois pour démarrer dans une montée en l'aidant à pédaler. Mais voilà, c'est, si vous voulez juste accélérer les mecs, faut acheter une mobylette ou un scooter, hein. Un vélo c'est pour pédaler un petit peu quand même, un minimum. Feu avant, feu arrière, et franchement les feux éclairent très bien, que ce soit autant celui de l'arrière que celui de l'avant. Vous allez être sans problème visible au loin et vous allez pouvoir voir sans problème ce qui se passe devant vous. 4 à 6 heures de charge pour recharger le vélo à sa pleine puissance. Vous avez un écran LCD de 3,5 pouces que je trouve franchement très joli. Il est coloré, il est chatoyant. Alors il est coloré, il y a un petit peu de bleu, il y a un petit peu de rouge, il y a un petit peu de tout. Non, il y a juste du bleu et du rouge en fait, et du blanc. Vous allez avoir 5 vitesses au niveau de l'assistance électrique. Vous allez avoir le nombre de kilomètres que vous avez fait sur votre voyage actuel, et vous allez avoir le nombre de kilomètres que vous avez fait globalement avec le vélo. Bon, alors après, grand classique, là je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez très bien rentrer dans les programmes, vous pouvez brider le vélo, hein, puisque le vélo va monter jusqu'à une vitesse de 40 km/h sans problème. Mais bon, sachez qu'à 40 km/h, si vous pédalez, c'est dans la semoule, les mecs, hein. Il n'y a qu'un plateau. Alors il y a 7 vitesses au niveau des pignons, c'est un dérailleur Shimano. Frein à disque à l'arrière, frein à disque à l'avant, qui sont ma foi très efficaces. Au niveau du cadre, on est sur de l'alliage aluminium. Alors le vélo fait quand même, avec la batterie montée dessus, 31 kg, donc il n'est pas très léger les mecs, hein. C'est pas le genre de vélo que vous allez prendre à bout de bras toute la journée pour vous balader dans le métro ou dans les transports en commun, hein. Bon, sachez que vous allez pouvoir le plier, bien évidemment, ça c'est le grand classique. J'adore ces vélos là justement pour pouvoir se balader, parce que ça prend pas de place. Tu peux le plier aussi bien au niveau du cadre, tu peux plier le guidon, tu peux d'ailleurs rabattre le guidon de haut en bas. Ne sortez pas ce geste de son contexte, mais ça c'est plutôt cool. Donc oui, tu peux régler le guidon en hauteur, tu peux régler la selle en hauteur, bien évidemment, elle va monter très haut comme le guidon va pouvoir monter vraiment haut. D'ailleurs, il préconise une personne mesurant jusqu'à 2 mètres pouvant monter sur le vélo confortablement. Également au niveau de la capacité de charge, on va être sur 200 kg, donc on est plutôt confortable, hein, si la promesse est tenue. Après je peux pas vous dire puisque j'ai pas ce poids là tout de suite à mettre sur le vélo, mais si c'est ça, franchement c'est cool. Alors sachez qu'il y a un panier à mettre à l'avant. Moi je l'ai pas mis parce que
pour des raisons déjà d'esthétique. Voilà, je trouve pas ça super beau de mettre un panier à l'avant. Alors après, bon, effectivement, ça peut être pratique ou quoi, si vous voulez mettre quelque chose dedans, si vous voulez vous promener avec votre chat, pourquoi pas. Vous avez également à l'arrière un petit support en mousse pour, par exemple, porter une deuxième personne. Bon, bien que je ne pense pas que ce soit conseillé, hein, mais voilà, une deuxième personne peut très bien s'asseoir dessus largement. Et pourquoi pas rajouter des petits cale-pieds à l'arrière et tout, ça pourrait être sympa. Alors maintenant, au niveau des petits détails qui sont sympas par rapport à d'autres vélos, c'est par exemple, regardez, juste ce point de vue-là, on n'est pas obligé de démonter la selle pour retirer la batterie. Voilà, juste vous avez un clapet et puis ça, c'est impeccable. Voilà. Donc, c'est tout con, tu vois ce que je veux dire, mais faut y penser. C'est quelque chose qui va jouer sur l'ergonomie du vélo. C'est super pratique de faire ça, retirer ta batterie et remettre la selle. Plutôt que d'enlever ta selle, tu vois, faire ça, retirer la batterie. Moi, c'est ce que je suis obligé de faire sur l'autre vélo. Donc déjà, au niveau de la selle, ça, c'est super cool. Ensuite, le vélo va venir avec deux rétroviseurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Toutes les marques ne mettent pas des rétroviseurs dans les packagings des vélos. D'ailleurs, c'est dommage, hein, parce que bon, une paire de rétros, ça coûte pas cher. Et puis, c'est toujours cool de les avoir dans le packaging du vélo. Alors, j'ai enlevé celui de droite, comme vous pouvez le constater, puisque durant le test de ma vidéo, ça s'est mis à vibrer un petit peu quand je passe dans les chemins et tout. Il a commencé à se dévisser. D'ailleurs, j'ai perdu une vis sur le rétro et j'ai préféré l'enlever complètement plutôt que tout se casse la gueule. Ça, c'est de ma faute. Je pense que c'est moi qui ai mal serré les vis dès le départ. Vous avez avec un petit support pour les mobiles. Donc, ça, c'est sympa. Donc, juste vous appuyez sur le bouton et puis voilà, vous pouvez mettre un petit mobile, une petite tablette, enfin je dis une petite tablette, ouais pourquoi pas, une petite tablette ça peut passer. Ça c'est sympa, vous avez un klaxon électrique et franchement c'est un klaxon de bagnole les mecs, hein. C'est un klaxon de bagnole, vraiment. Au niveau de la dimension des pneus, on va être sur du 20 x 4 pouces. Donc c'est du standard pour ces vélos-là. Alors si vous vous demandez c'est quoi ces petites traces blanches sur les pneus, c'est pas de la neige, pas du tout. C'est simplement le polystyrène quand j'ai déballé le vélo qui est resté un petit peu collé. Mais bon, ça va s'enlever, hein. Voilà, vous voyez, il suffit de gratter un peu et puis ça s'en va tout seul. Pour continuer un petit peu dans les petites subtilités par rapport à d'autres vélos, vous voyez qu'ici, vous avez un petit support en mousse. Alors, c'est tout con, hein, c'est un petit support en mousse que vous allez pouvoir clipser sur le porte-bagages. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits accessoires en plus. Et puis, c'est à peu près tout, les mecs. Hein, vraiment, bon, voilà, garde-boue à l'arrière, garde-boue à l'avant, ça, c'est normal. Au niveau du look, le vélo, je le trouve franchement stylé, même si je préfère quand même les designs avec les tubes carrés plutôt que les tubes arrondis. Voilà, bon, là, je pinaille un petit peu sur des détails, mais voilà. C'est des détails qui peuvent avoir son importance. La petite poignée, histoire de lever le vélo, ça c'est toujours sympa, voilà. Et bon, je vous assure, il pèse son poids, hein. 31 kg les mecs, c'est pas très léger. Maintenant, moi c'est vrai que ce que j'aime bien avec ces fat bikes, c'est au niveau confort de conduite. Comme je vous dis, vous pouvez vraiment passer partout, que ce soit dans les chemins de terre, dans les chemins caillouteux, comme je suis là en ce moment, c'est un semi-chemin de terre, semi-chemin caillouteux. Vous pouvez rouler dans le sable sans problème. Alors pas dans le gros sable, hein, tu vois ce que je veux dire. Le gros sable, tu vas plus t'enfoncer qu'autre chose. Mais voilà, j'ai déjà test, pas avec ce vélo-là, mais avec un autre. Et j'ai déjà test de rouler sur la plage et ça passe sans problème. Après, par contre, vous allez sucer la batterie, les mecs, en roulant sur la plage, mais vitesse grand V. Donc voilà, ça vraiment, c'est le genre de truc pour la batterie que je déconseille. Rouler sur la plage, dans la neige, tu vois, voilà. Si vous faites que des trucs comme ça, que des chemins, que de la plage, que de la neige, vous faites, allez, 10 km, vous avez plus de batterie, les mecs. Ah, il y a quand même un truc que j'ai pas aimé sur le vélo. Il y a quand même un truc que j'ai pas aimé sur le vélo et j'allais l'oublier, les mecs. Au début, j'ai allumé le vélo, j'ai vu le compteur. Le compteur est franchement super joli et tout, super classe. Il n'y a pas de souci. J'ai vu un pourcentage en haut à droite du compteur. Je me suis dit, chouette, enfin un vélo qui va me dire le pourcentage de la batterie qui me reste et qui va pas s'user sur l'effort du moment comme pour les autres. Vous savez qu'à chaque fois, c'est le genre de truc où je me plains quand j'utilise une trottinette ou un vélo où on va voir justement la batterie s'user sur l'effort du moment qu'on va faire avec l'appareil. Et bien là, je me suis dit, ok, ça va être cool, tu vois, on a le pourcentage, du coup, voilà, il va me dire exactement combien qu'il me reste de pourcent de batterie. Et ben non, c'est encore un vélo où vous allez voir la barre baisser sur l'effort du moment de l'appareil. C'est-à-dire que dès que vous allez être dans une montée, par exemple, que vous allez pédaler un max, vous pouvez voir la batterie descendre à 60%. Voilà, il va vous dire qu'il vous reste 60% de batterie. Vous remontez sur une ligne droite, il va remonter à 100%. Là, par exemple, vous pouvez voir que je suis à 99% de batterie et que j'ai fait 4,9 km jusqu'ici. Mais en fait, tout à l'heure, quand j'étais sur la route, selon les montées que je prenais, selon l'effort que je faisais fournir au vélo, je voyais la barre de pourcentage descendre au fur et à mesure. Descendre, remonter, elle fait le yo-yo en fait. Donc finalement, ça va être encore une barre de progression qui va s'user sur l'effort du moment. Ça, je trouve ça dommage. Bon, alors là, je pinaille sur des détails parce que franchement, le vélo est super top. Hein. C'est voilà, ça se conduit super bien, c'est confort, ça passe partout. Comme je vous le dis,
c'est pas le premier vélo du genre que je teste sur la chaîne, hein, vous le savez. Donc voilà, je connais plutôt pas mal ce genre de vélo. J'ai pas mal de modèles en référence déjà pour parler de celui-ci. Et donc je peux déjà vous dire que celui-ci est un de mes préférés de ceux que j'ai déjà testé sur la chaîne. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce vélo. En conclusion, moi vraiment, vous l'avez compris, bah, je kiffe. Hein. De toute façon, j'adore ce genre de vélo, hein, que ce soit un Ride 66 ou un autre. C'est voilà, c'est le style de vélo que je kiffe vraiment. Les fat bikes pliants que tu peux trimballer partout où tu veux, on adore. Si le vélo vous intéresse, comme d'hab, vous avez un petit lien dans la description. Merci à Ride 66 pour l'envoi du vélo. Et surtout, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci également pour vos petits pouces bleus, ça fait plaisir. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous savez, ça soutient. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !